Et ben alors attends, je vais essayer de voir si je peux pas faire. On va faire un tout petit parce qu'on s'en fout de moi. C'est pas ce qui. Attends, hop. Attends, je bug sur la taille du truc. Du jeu maintenant et
Est-ce que tu m'entends? Ah, oh. Pourquoi mon son il fonctionne pas? Pourquoi ça va pas? Je vois pas. C'est où? Donc en fait, je parle pour rien depuis tout à l'heure en fait. C'est sympa. C'est cool. C'est bon, je t'entends maintenant. Ok, cool. Bon bah du coup, je sais pas trop comment faire pour le chat parce que j'aime bien, j'ai mon Twitch qui me dit oui, t'as le chat en même temps. Mais en fait, non. Connexion. Pourquoi j'ai pas le chat en même temps? Bon alors, comment je fais? Je vais devoir afficher le chat là. Alors attends. Je vais bidouiller un peu. Juste quelques instants pour que je puisse. Bon, ça, je crois que ça devrait être bon. Et donc, le chat, je vais le mettre là et puis je vais voir si je peux. Si je peux faire double écran. Bah, oui. Non, je sais. Je vais mettre sur mon téléphone. Je vais faire pause. Je pense que ça sera encore plus simple. Gestionnaire de stream. Non, pas le gestionnaire de stream parce que justement, c'est de la merde. Du coup, ma chaîne. Live. Hop. Donc, je fais enlever ça. Enlever ça. Hop. Donc, normalement, reconnexion au chat. Normalement, je devrais avoir un truc. Bah, j'aimerais bien avoir le double écran, hein, mais bon. Il faut de la thune. Si je tape un truc. Hop. Oui, je le vois. Ok. Du coup, je peux revenir au jeu. Tu me dis si le son, il est pas trop dégueu. Si c'est vraiment trop dégueu, dis-le-moi. Du coup, j'étais en train de parler. Putain, j'ai fait des bons mots et tout depuis le début. Et là, ça gâche tout, quoi. Alors, attends, faut que je fasse sans son. Pourquoi je peux pas faire pause? Non, on va faire comme ça. Bon, on va laisser comme ça, tant pis. Faire un retour. Est-ce que tu m'as écrit? Est-ce que je vais vérifier un truc? Tu m'as pas écrit de truc. Ok, donc normalement le chat ça fonctionne. Ok. Donc j'en étais où? Donc toujours au tuto. Pour passer l'étape du haut, il faut traverser un pont. Oui, bah c'est depuis tout à l'heure, c'est ce qu'on fait. Mais ce pont est effondré et il faut le réparer à l'aide de bois et de minerais. Oui. Les pupilles devront donc réunir ces ressources. Note, le chemin mènera à une étape de terre fertile. Il y a beaucoup de lacs, donc la progression peut être difficile. Cependant, elle est permanente. Parsemé de terre arable, il y a des grandes chances d'y trouver du poisson. Donc c'est chiant, mais t'as des trucs cool, ce que je pensais. En bas, la tribu devra traverser un glacier pour arriver à l'étape suivante. Et pourquoi pas, on pourrait faire un DLC genre avec Frodon. Tu vois, genre le Seigneur des Anneaux, et puis t'essayes de te balader jusqu'à la dégommer l'anneau. Pourquoi pas? Ah oui, tiens, j'ai pas testé de regarder. Attends, c'était. Je fais comment déjà? Algrand et puis machin comme ça. Juste mon retour de chat. Normalement, c'est bon. Si je fais comme ça. Non? Pourquoi? Normalement, vous devriez voir le chat. Bon, je regarderai la prochaine fois. Tant pis. Tant pis. Ok, cette étape est une forêt tropicale. Alors, attends. En bas, la tribu devra traverser un glacier pour arriver à l'étape suivante. Il faudra donc rassembler des poivrouilles pour avoir de quoi manger pendant la traversée. Et des pierres. Des silex pour faire du feu et se réchauffer.
Cette étape est une forêt tropicale, il y aura beaucoup de jungles et de tourbières, elle est regorge de bois, mais les aléas des moustiques et de maladies y sont fatales. Mais ça a l'air mieux ce machin là, c'est chiant à y aller, mais bon après c'est cool quoi. On va faire celui-là. Donc faut faire quoi? Donc il faut des poivrouilles et des pierres. Non, pourquoi il est resté là? Moi je veux celui-là. Pourquoi il n'y a plus LED qui change? Passerelle effondrée de... Ah d'accord, ça met là aussi. Puis après, t'as ça. Ah d'accord. Donc là, on a le jeu et le son. On va pas trop en demander pour ce soir. Oui, c'est pas bête. Donc petite étape équilibrée, moyenne étape terre fertile. Donc on a, ça va coûter 10 machins de bouffe, 40 minerais que je n'ai pas et 80 bois que j'ai. Donc il faut du minerai. Bon bah on va faire ça. On peut plus. Ah non oui c'est, faut que je clique sur la carte, c'est vrai. Que je clique. Bah quoi? Pourquoi je peux pas y retourner? Faire ça? Non. Bah il fonctionne plus? Ça a bugué? Non. Bah. Ok. Pourquoi il veut plus le. Pourquoi il veut plus le jeu? Bah je peux pas y aller, vu que j'ai pas de minerai. Faut que je clique comme ça. Ah non, d'accord, il me force à lire en fait. La tribu n'a pas dans les stocks assez de ressources. Bah oui, les récolter. Pour connaître quel chemin il est possible d'emprunter, fermez la carte en cliquant sur l'étape sur laquelle se trouve la caravane et explorez l'étape afin de voir quelles ressources elle a à offrir. Bah ouais. Ah. Ok, donc maintenant j'ai deux bidules. Ok, j'ai lui, donc Anki, qui ne fait rien. Espèce de feignasse. Et lui qui fait chut. Tout le temps chut. Alors, bah, lui, il va aller là. Et puis, lui, il va aller là. Ou là. Oh, je sais pas. Il va aller. Attends, il a combien? Il a 3, hein. Donc, ça fait 1, 2, 3. Bah voilà. Il va aller là. Bon, bah, c'est parti. Qu'une partie de l'étape pour connaître, explorer. L'étape pour connaître vos options. Chaque ressource est trouvable sur des terrains précis. Vous ne trouverez jamais de poivrouille dans les montagnes ou dans les lacs. Oui, ça paraît logique. Genre, forêt, enfin, je sais pas, fruits, quoi. Des arbres. L'unité sélectionnée ne peut pas traverser ce terrain. D'accord. Donc, t'es obligé de passer par là. Donc, c'était quoi qu'on... Je sais même plus ce qu'on devait faire. Non, le minerai. Donc, il faut de la caillasse et de la caillasse. Ok, de la caillasse. On va faire de la caillasse. Ça, c'est quoi? Montagne. Aucune ressource. Oh, super. Excellent. Bon, bah, toi, tu vas aller là, du coup. Tant pis, hein. Et puis, non. On va lui faire aller, attends, 1, 2, 3, là. Et toi, tu vas faire 1, 2, 3, là. Toi, c'est pas mal. Ah, ben voilà. Aucune ressource. Forcément, c'est la dernière, quoi. Hein? Forcément, tu fais un truc, on va la mettre sur la dernière, pour bien que ça soit bien loin. Bon. Ok, donc lui il fait 1, 2. Non, on va lui mettre là. Donc il n'y a aucune ressource, aucune ressource, aucune ressource. Il y a que dalle quoi. Ah si, il y a là. Bah lui il va aller là. Hop. On va faire ça. C'est bien. Il va aller choper de la bouffe. Tiens, chope de la bouffe toi. D'ailleurs, ils ont combien de manger là? C'est marqué où?
Marqué où le manger? Donc t'as ça, mais ils ont autre, les peuvent être consommables à la place des soupes là. Donc du coup, j'ai plus de soupe, j'ai que des poivrouilles. Oh. Du coup, je reclique. Ok. Bah du coup, c'est chaud là. Comment je fais pour récupérer du minerai s'il n'y a rien? Avec des poivrons et de la pierre, il va être possible de passer par le glacier. Si ce n'est pas déjà votre objectif actuel, sélectionnez le glacier dans l'écran de carte, puis fermez la carte. Les poivrons sont des ressources de base et peuvent se ramener dans la caravane. Assignez chute et anki à la récolte de fruits en sélectionnant chaque pupille. Puis en faisant un clic droit sur l'hexagone contenant des fruits ou sur la caravane. Ok, passez le tour pour valider l'action. Les pupilles ont besoin d'espace et ne peuvent pas travailler à deux sur le même hexagone, d'accord? Donc c'est un par hexagone. Assignez-les chacun à leur terrain ou à la caravane pour qu'ils y aillent d'eux-mêmes et passez au tour suivant. Ok. Attends. D'accord. Bah lui, il va faire ça. Et puis bah lui, il va faire. Ah bah si, il y a des ressources là. Oh, c'était le dernier. Bah pourquoi il peut pas? Pourquoi il n'y a aucun bâtiment n'est disponible? Bah alors, c'est quoi ce délire? Oh bah il va y aller, on va voir ce que ça donne. Ok, lui il y va. Pourquoi lui il s'en va pas? Ok, pourquoi lui il fait pas ça? Des machins. Ah d'accord, lui il doit aller là en fait. Aller vers Poivrouille. Qui bouffe? Faut que je leur clique de pour qu'ils puissent manger? Non mais ils peuvent manger tout seuls. Ben alors. Ok. Bah ouais, mais je voudrais bien de la pierre, moi. Comment on fait pour avoir de la pierre? Pendant 3 tours, d'accord. On va faire ça, on va cliquer. Hein. On va faire du spam de clic. Le spamming de clic. Ok. Ah. La caravane. La caravane. La caravane ne permet pas de ramasser ni de stocker de la pierre. Ah, bah, tu vois. Pour ça, il faut construire un bâtiment, la carrière. Sélectionnez Chut et ouvrez son menu de construction. Du coup, c'est qui Chut? C'est lui. Donc construction. Donc carrière, du coup, pour construire une carrière permanente, il faut utiliser 100 bois. Ben, ça tombe bien, j'en ai 200. C'est bien fait quand même, le tutoriel. Quand même. Heureusement, Chut et Anki ont ça en stock. Sélectionnez la carrière dans le menu de construction de Chut. Hop. Ah, je peux choisir les deux. Ah, pourquoi il y en a une qui est mieux? Donc celle-là, c'est quoi? Les bâtiments permanents ne peuvent pas être remportés lors de. D'accord. Et celui-là, il y a des ballons, il doit être mobile, voilà. Peuvent être déplacés et transportés dans la caravane lors du départ de l'étape. Ok. Encore heureux qu'il soit bien fait. La galère, sinon. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. On va faire ça. Ah. Oh oui, Gourbillon. Bah, du coup. Du coup, on va le mettre à côté ou on le met là. Attends, s'il fait 2, il fait 1, 2. 1, 2. Ah, fait chier. Attends, 1, 2. 1, 2. Ouais, ça marchera pas. On va la mettre là, du coup. Ok. Les bâtiments ne peuvent être construits que sur des plaines. Ok. Attention, il n'y a. Bah oui, en même temps, tu mets ta carrière sur la montagne, tu sais, en diagonale. Attention, s'il y a des ressources sur la carte de construction, elles seront. S'il y a des ressources sur la carte de construction,
elles seront perdues. Quoi ? Les bâtiments ne peuvent être construits que sur des plaines, ok ? Attention, s'il y a des ressources sur la case de construction, elles sont... Ah oui, d'accord. Si tu fais des ressources, que, genre tu les perds, elles sont sur la case, et que tu construis un bâtiment, bah fais avec les ressources, quoi. En même temps, c'est normal, hein, tu creuses, tu fais ton truc. Mais bon, c'est un peu débile. Parce que le mec, il s'est dit, tiens, je crève la dalle, il y a des fruits par terre, je vais pas les ramasser, je vais construire dessus. Intéressant comme façon de penser. Très intéressant. Attends, je vais mettre mon chat retour comme ça. Attends. Hop. Ouh, parfait. Donc, placer la carrière la plus proche possible de la carrière. Oups. Tant pis. Pour permettre de récolter rapidement une fois l'emplacement indiqué. Chut, ira construire sans aide. Vous pouvez annuler la construction en cliquant sur le bouton détruire. Les ressources utilisées seront récupérées. Une fois le bâtiment construit, si vous le détruisez, vous ne récupérez rien. Nanana. Plus de ressources. Bah tant pis, on va faire avec. Hein. On va essayer de pas déconstruire. Chut, c'est transformé en oiseau. Pourquoi ? La forme des bâtisseurs, d'accord. Et va construire un bâtiment pendant 3 tours. Mais c'est trop mignon que ça se transforme, ça, les petits bidules. Attends, fais voir comment il est. Attends, lui, c'est toujours un petit renard, d'accord. Ah merde. Non, je veux pas sélectionner. Tandis que machin, là, c'est un petit oiseau, un zazos. Oh, le croupidio. Il est trop mignon. Regarde, avec ses petites pattes toutes lumineuses, là, ce croupidio. Alors, la forme des bâtisseurs, elle va construire un bâtiment. Pendant 3 tours, d'accord, passez le tour. Les pupilles prennent une forme différente en fonction de la tâche qu'ils exercent. Ils peuvent changer de rôle et d'apparence à volonté. D'accord, bah oui, mais s'ils progressent, vaut mieux leur laisser la même tâche tout le temps pour qu'ils soient juste ultra tueries, quoi. Ok, donc faut que je passe. Attends, je vais me mettre un peu. Hop. Ah, j'ai un poil trop appuyé. Hop, comme ça, c'est pas mal. Hop. Bravo ! Chut, a construit une carrière. Il faut la signer à la récolte de pierre via le bâtiment où la colline a exploité. Il ne reste plus qu'à réunir le nombre de pierres et de fruits nécessaires à la traversée du glacier. Ok. Je vais faire ce que vous dites. Et lui, il va aller là parce que je crois qu'il n'y a plus rien. Ah si, il y a encore. Ouais, il va faire ça. Ok. Allez, les petits gars. Allez, ça taffe, hein. Il faut. Tiens, on va les exploiter. Vas-y. Les fruits, la pierre. Si on clique plein. Vas-y. Allez, on y va. Les pauvres. Toutes les ressources pour partir ont été réunies. Ouh, excellent. Ça leur a coûté 28 jours. Est-ce qu'ils ont de la bouffe? Ouais, c'est bon. Ouvrez la carte et sélectionnez la prochaine étape pour amorcer le départ. Allez! Donc, on fait la jungle ou les terres fertiles? 540 et 100. J'en ai 600 et 100. Là, il passera l'effondré petit état. Hein. Je sais pas, tu préfères quoi, le lac ou la jungle? Trop chou, bah ouais, grave. Carrément. Mais qu'est-ce que je veux dire? Tu préfères quel chemin? Moi, j'irais bien au lac pour aller choper du poiscaille. Hein, on sait jamais, hein, ça peut être sympa de pêcher. T'sais, avec leur petite canne à pêche, là, s'ils avaient une canne à pêche, ce serait trop cool. Ce serait trop idiot. Le lac. Allez! Va pour le lac. Ah oui, mais attends. Tu sais qu'on peut les renommer? Ah, on peut les renommer. Tu vas voir.
si je peux y aller. sélectionner la prochaine étape, bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai sélectionné. Pourquoi je peux pas? Ah, mais je peux pas aller en haut. Regarde. Il faut des rations et du minerai. Oh, je suis tristesse. J'ai pas vu ça. Bon, bah, on va aller à la jungle, hein, et puis on va se faire piquer par les moustiques. Bon, alors, le jeu que j'aime bien, moi, j'aime bien ça, c'est rigolo. Mais dans Spiritfarer, il y a ça, je trouve ça cool. Alors, hop, la pierre, c'est comment? C'est quatre machins. Ah bah voilà. Il y en a d'autres? Non? Bon. Bah, allez, partir. Êtes-vous sûr de vouloir partir maintenant? Oui, c'est mon dernier mot. Petit bidule. Moyenne étape, forêt à 30 000. Ouais, bah oui. La tribu a traversé le glacier et est maintenant sur cette étape tropicale. Elle doit s'y arrêter un instant, le temps de trouver de quoi traverser le prochain obstacle. Toutefois, l'étape derrière, elle, est déjà submergée. Bah putain. Il ne faut pas traîner pour rejoindre l'œil. L'œil est la prochaine étape. Ok. Sélectionnez l'œil ou le chemin vers l'œil pour prendre connaissance de ce dont les pupilles. Pardon. Auront besoin pour s'y rendre, puis fermer la carte. Ok, on va sélectionner là. Donc le chemin, c'est 50 bois, 10 minerais et 120 pierres. Ok, donc il me manque que le bois. Non, non, il me manque que le minerai et la pierre, d'accord. Donc je fais la carte. Cette étape est un peu différente de la précédente, c'est un biome tropical. Il y a donc, par exemple, bien plus de jungle et de tourbières. Dans une partie normale, le début du voyage des pupilles commence toujours sur une grande étape équilibrée. C'est le terrain où la tribu a décidé de s'installer et vivre durant le cycle complet. C'est donc un grand espace riche où l'on trouve de tout. C'est cool ça! Voici la caravane qui vient d'arriver sur l'étape. Pour l'instant, les pupilles sont à l'intérieur. Ils descendront lorsque la bête sera installée. La caravane se déplace exactement comme les pupilles, mais n'a que deux points de mouvement. D'accord. Déplacer la caravane jusqu'à un terme. Bah après, elle se prend tout le barda. Tu m'étonnes. C'est pas Speedy Gonzales, quoi. Déplacer la caravane jusqu'à un terrain stratégique ou installé. Ou l'installer, pardon. La caravane ne peut s'installer sur les terrains trop escarpés ou humides. Elle ne se sentira à l'aise que sur une plaine. Logique. Totalement logique. Mais écrasera les arbres d'une forêt en se couchant dessus pour se faire de la place. D'accord. Bah, on va le foutre un peu au milieu. Hein, on va essayer de le foutre par là. Tiens, donc... 1, 2. Tiens, voilà. Hop. Ok. Oh, regarde. Il y a un machin. Louane. C'est pas un peu bizarre de mettre un prénom sur une bestiole? Cliquez sur le bouton d'installation pour installer la caravane. Attention, une fois posée, elle ne se relèvera pas avant le départ de l'étape. Choisissez bien le terrain. Ben, on va essayer. Mais je trouve que là, c'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses, Cassie? Moi, je trouve que c'est pas mal, ça. Pas ici, là. Parce que tu vois, t'as accès un petit peu tout. T'es pas loin. Ouais, mais après, les bois, il faut que tu redéplaces. Non, je pense que c'est mieux par là, en fait. Parce que si tu construis des bâtiments... Genre, tu construis un bâtiment de bois, et ben, il faudra qu'il soit là, parce qu'il est plus proche. Non, je pense qu'en fait, c'est mieux ici. Ah, mais il y a deux petits machins, là. C'est trop mignon. C'est quoi? C'est des quoi? Des bêtes de somme. Ah. Putain, ils font des noms sur tout, ce qui est possible et inimaginable, avec des noms alambiqués. Et puis là, c'est bêtes de somme. Putain, ça fait bête. C'est con. On aime bien les bébés kappa. Oui. Comment je fais? Donc, je fais ça et je dis dodo.
Donc, ouais, j'avais vu dans la partie test que j'avais fait, en fait, tu fais ça et tu peux renommer. J'ai Croupignon. Tu vas être lequel? Celui les papillons bleus ou les nœuds papillons roses ou les nœuds papillons bleus? Et je peux les renommer. Ah, on peut peut-être pas les renommer. Bon, bah, on verra plus tard. Voilà, là, c'est des personnages tuto, quoi. En tout cas, c'est cool hein, qu'on puisse faire ça. Je te noterai. J'espère que tu feras pas du mauvais travail. Hein. Bleu. Bah ouais, je suis désolée, on peut pas, regarde. Il veut pas. Ouais, c'est pas grave. Quand on fera vraiment la vraie partie, je pense que ce sera plus le cas, quoi. Ouais, dommage. Donc on devait faire quoi? Ils sont descendus du chargement. Ok. Explorez la carte. Réunissez les ressources nécessaires à la réparation de la voie ferrée. D'accord? Puis guidez la tribu vers l'œil avant la montée des eaux. Oui, ça, ok. Donc, il nous fallait du minerai et de la pierre. Donc, le minerai, c'est ça? Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord? Ok. Donc, pas de ressources. Là, il y a de la bouffe. Là, il n'y a rien. Là, il y a de la bouffe. Là, il n'y a rien. Bah, du coup, il faut aller sur les deux carrés, quoi. Bon, bah, voilà. Toc. Et puis, bah, toi, tu vas aller le bois. On n'a jamais assez de bois. Allez. Donc, là, il y a de la pierre. Wouhou! Toute la carte à explorer et pas une trace de minerai. Il est impossible de passer par la voie ferrée sans minerai. Bah oui. Soufflez à Chute de construire un marché en ouvrant son menu de construction dans sa fenêtre de sélection. D'accord? Un marché est un bâtiment qui permet de faire des échanges de ressources avec les autres tribus. Ok. Les pupilles fixent des caisses de ressources à des ballons qui, portés par le vent, trouveront leur destinataire rapidement. La ressource demandée arrive à son tour au bout d'un petit ballon. Ok. Bon, bah écoute, on va faire ça. On va faire ça. Tac. Donc là, c'est ça. Et le marché est un appendice. C'est un bâtiment construit sur le dos d'une bête de somme. Tant bien, il y en a à côté. Chaque appendice nécessite donc d'avoir un Buffloceros dans le stock. Le Buffloceros est une ressource de base qui peut donc être récoltée directement depuis la caravane. Récoltez un Buffloceros afin de construire un marché. Ok. Interrompre un pupille qui ramène ses ressources en lui assignant une autre tâche lui fera lâcher des ressources. Oui, bah ça, vous nous l'avez déjà dit ça. Contrairement aux autres ressources, il n'y a qu'un seul Buffloceros par hexagone. Attendez bien que le pupille est ramené dans le stock. Ok. Allez hop. Donc là, il va aller son truc, il va changer d'apparence. Et normalement, il retourne vers le truc. D'accord. Eh, ça rentre? Oh, regarde, il fait des câlins. Oh, le roubillon, regarde, il fait des petits cœurs. Oh, il fait du bisou. Gros bidon, hop. Du coup, lui, d'accord, ok. Bon, bah, faut avancer, quoi. Ça va, vous avez de la bouffe. En fait, il faut leur dire de manger ou pas? Je crois qu'il faut leur dire de manger. Si je fais ça. Ah non, ils se changent. Donc non, c'est bois toi. Et toi? Ok, ramène des ressources. Donc ok, d'accord, je comprends. Toutes les ressources nécessaires sont réunies pour construire un marché. Choisissez un pupille pour le construire et sélectionnez le marché dans l'onglet Appendices du menu Construction. Ok. Donc c'est lequel qui va faire des trucs? Lui c'est le bois et le bleu c'est la construction du marché. Bah quoi? Ah oui. Bah on va le mettre.
On va le mettre là, juste à côté. Construire un bâtiment ici va supprimer toutes les ressources présentes sur le terrain. Si vous souhaitez récolter une ressource, bah, il y a une... Ah, mais il y a une ressource là. Bah, écoute, on va le mettre là. Ok. Du coup, il faut cliquer là. Oh, il s'est transformé. Eh, mais c'est trop mignon. Hein. C'est trop le top de la mignonitude quand même. Hein. C'est tellement mignon, j'enseigne les yeux. Ah, c'est un petit oiseau là, c'est trop chou. T'as envie de les avoir en figurine, quoi. C'est trop de la mignonitude. J'aime bien la caravane, là. Là, ah, là, pas de Noël. Mais tu sais, il y a 4 cornes, là, je trouve ça cool. Ok. Attends, pas un peu, mais pas trop. Un peu, mais pas trop, voilà. Ok, ça c'est fait. Construire un marché, il est en train. Donc, hop, faut passer jusqu'à ce qu'il y arrive. Comme tous les appendices, le marché ne nécessite pas de pupilles pour fonctionner. Toutes les ressources ne sont pas les mêmes, n'ont pas la même valeur. Et les taux de change varient en fonction des ressources que vous avez à offrir. Obtenez du minerai. Souvent, une grosse partie des ressources envoyées sont perdues dans le trajet et la tribu alliée n'en reçoit qu'une petite partie. Cet échange est donc une solution de dernier recours qui gagne beaucoup de ressources. N'en abusez pas. Qui gâche beaucoup de ressources, pardon. Bon, bah, on va faire ça. Du coup, il faut faire comme ça. Je te donne du bois. Non, donner, recevoir, oui. On veut du minerai. On en veut quoi? 10. Ah non. Oula, attends. Pourquoi il y a 60? C'est ce que je prends. Ah, je peux avoir que 20. Non, je donne 20 bois pour un minerai. Ah ouais. C'est juste ultra cher, quoi. Bah, échanger, quoi. Donc là, j'ai 4 minerais, mais il m'en faut encore 6. Là. Ah bah quoi, j'ai pas assez de bois. Oh, putain. Vous a envoyé du minerai. Ah, rendez-vous à l'œil grâce à la carte. Ok. Alors lui, il va aller tellement chercher du bois. Tandis que lui, il va tellement aussi aller chercher du bois. Voilà. Ça va être le bois, les deux, quoi. Parce que bon. Hein? Donc là, ça devrait être bon, je pense. Tiens, toi. Marché. Il en fallait 6, hein. 4 et 4, 8. Oh, mais c'est super rush. Marché. Et 4 et 4, 8. Ouais, donc 2, échanger. C'est tellement super cher. Il faut de la pierre. Du coup, toi, tu vas aller à un endroit où il y a de la pierre. C'est quoi ça? Bête de somme d'un terrain plein est épuisée. Oui. On n'avait pas dit qu'ils avaient besoin que je leur dise de manger. C'était pas ça à un moment. Ah non, c'était pas ça. C'était pas ça du tout. Attends, j'arrive pas avec la caméra. Voilà. Bah, tu vas aller là et tu vas choper de la pierre. Non? Aucun bâtiment n'est disponible. Ah, ah. C'est vrai, j'ai oublié. Carrière. On va faire 100 bois que je n'ai pas.
Du coup, rebois. La jungle est décimée. La tribu a récolté tout le bois de cette jungle. D'accord, de ces trucs-là. Les pupilles sont un peuple respectueux qui ne prend que ce dont il a besoin. Un pupille n'a aucune notion de propriété au point qu'il n'a même pas sa propre couchette. Il veigne à ne pas gaspiller. La nature n'est pas commode et punira une tribu qui gâche les ressources en les laissant derrière elle. Ne rasez pas les ressources que la tribu ne pourrait emporter avec elle. En laissant des ressources gâchées derrière, des aléas terribles s'abattront sur les pupilles à l'étape suivante. D'accord, alors en fait, faut que tu prennes ce que tu as besoin, mais pas plus. Aussi, lorsque la vague se fait trop proche, la nature les poussera à bouger en déclenchant un aléa climatique majeur. Ok. Mais n'empêche que j'ai besoin de bois. Et toi, j'ai besoin que tu construises une carrière. Il m'en faut 100. Je suis désolée les gars, mais faut taffer quoi. L'averse est sur vous. La pluie provoque la crue d'un lac ou d'une tourbière. Merde. À chaque tour, les plaines à proximité des lacs et de tourbières peuvent être inondées. Les tourbières à proximité des lacs peuvent devenir des lacs. Ah oui, d'accord. Les pupilles subissent un malus de PM de 1. D'accord. Oui, mais moi, il me faut du bois. Du coup, toi, tu vas construire la carrière. Là. Et toi, tu vas faire ça. Bah non, il ne peut pas y aller pour l'instant. Je vais faire des calinous. Ça va être séance câlin. Séance le calinou. Tour suivant, au moins un pupille n'est pas activé, n'a pas d'activité. Ah, c'est lequel? Sélectionner. Celui-là. Ben, je sais pas moi. Il va viser à porter les cases contenant cette ressource sont déjà exploitées par d'autres pupilles. Les signaux, ok. Il va, je sais pas. C'est quoi, ressource de bête de somme à épuiser. Ok. Je sais pas moi où est-ce qu'il peut aller lui. Alors lui, il va aller rapporter son truc, mais lui, pas d'occupation et il fait rien. T'as qu'à aller là. Ah oui, il faut rien, forcément. On va continuer, hein. Je vois pas trop, vu qu'il faut pas tout prendre, je vois pas trop ce qu'il peut faire, quoi. Ouais, il va aller se poser à côté d'un lac, tranquille, le chill. Oui. Genre, il y en a qu'un à... Et si on faisait ça? Je pense que c'est mieux. Une bonne idée, ça. Récupérer de la bouffe, ça peut être une bonne idée. Donc il en faut 120. D'accord. Bah on va faire 120. Le vilain, pourquoi il travaille pas? C'est une grosse feignasse. Voilà. C'est pour ça. La grosse feignasse absolue. Encore 20. Bon là, ça devrait être bon. Hop. Wouhou!
Les pupilles sont capables de sentir l'arrivée des aléas, mais des pupilles inexpérimentées ne seront pas très prévoyants et ne pourront les prévoir que 5 tours à l'avance. Au prochain tour, vos travailleurs seront pris d'une grosse fièvre. D'accord, le travail est peut-être trop intense ou alors est-ce un avertissement des esprits? Chaque pupille qui travaille à la récolte, à la production ou à la construction tombe malade. Ok. C'est pas cool ça. Et du coup, faut faire comment pour les... désassigner-les de leur poste pour leur offrir un peu de repos en les faisant se déplacer. D'accord. Lui va être le chill là, et puis toi, tu vas être le chill. Le chill. Je sais pas moi. Dans une forêt décimée. Voilà. Hop. Surmenage. Du coup, Osef. Bah oui, continuez. Le travail est peut-être. Ouais, la construction tombe malade. Ok, du coup ils sont le chill et donc ils tombent pas malades. Ok. Oui, continuez. Du coup on peut se barrer. J'ai tout. Allez, c'est parti. Alors. Ah, lui, c'est en 3. Non, il n'y en a plus. Et lui, ah, d'accord. C'est comme ça. Bon, bah, parfait. Ah, t'as vu, j'ai un truc en plus. Marché. Par 10 permettant l'échange de ressources récoltées. D'accord. De toute façon, j'ai rien d'autre, alors du coup... votre score dépend des pupilles sauvées ainsi que des ressources et bâtiments qui les accompagnent. Les appendices sont des bâtiments portés par un buffle séros. Ils suivent instinctivement la caravane et ainsi accompagneront votre tribu sur chaque étape du voyage. Comme ils ont leur propre buffle séros, ils ne prennent pas de place dans le stock. Ainsi, chaque appendice construit suit systématiquement la tribu jusqu'à l'œil. Emporter le plus de choses possible pour subvenir aux besoins des pupilles dans l'œil. Ok. D'accord. Donc comme j'ai un buffle séros, eh ben, il peut porter des trucs. D'accord. Vous sûr de vouloir partir maintenant? Oui. Ya. Yeah. Go maison. Go, go. Victoire. Chut. Et Anki sont arrivés à l'œil. Ils sont impatients de partager toutes leurs connaissances avec leurs autres tribus. Dans quelques clignements... Les flots auront recouvert toute la surface du monde et tous les pupilles seront rassemblés ici auprès d'eux. Un nouveau cycle s'achève. En fait, ça rase la planète. Ils sont un peu égoïstes, hein, n'empêche. Hein. Au coin du feu, perdus dans leurs pensées, les deux pupilles sont déjà parties pour leur cycle suivant. L'ascension de la falaise ouest ne sera qu'une formalité, mais que leur réservera leur troisième cérémonie du cercle. Tintintin! L'échange forme. Bah ça va être la prochaine fois, parce que je commence à avoir mal aux yeux. Et des cracks et sions, deux pupilles ambitieux à devenir des experts. Apprenez à gagner de l'expérience et choisir des bonus dans la roue des métiers, ainsi qu'à nourrir vos pupilles. Construisez, gérez et améliorez, réparez des bâtiments mobiles et découvrez les bonus de proximité. Visitez d'antiques vestiges, Crac et Sion n'attendent que vous pour accomplir leur destin. Eh ben, on va faire ça jeudi matin. Voilà, jeudi matin, parce que là, Little Mad, eh ben, elle a mal aux yeux. Voilà, voilà. J'ai trop, trop mal aux yeux. Ok. Eh ben, c'est vachement cool, dis donc. Donc, si je fais ça, ça revient là. D'accord, ok. Donc, ils ont un Discord. C'est quoi, ça? Ah, oh, les crédits. Eh ben, voilà. Ça, c'est quoi? D'accord, les options, machin. Donc, c'était là où j'ai changé les touches. Ok.
Bah, moi, je l'avais fait avec échappe, mais là, il y a un onglet, ok. Bon. Eh ben, c'était bien fun, dis donc. Moi, j'aime bien, c'est cool. On fera ça jeudi matin, moi, j'aime bien. J'aimerais bien savoir la suite. On va faire la transition chat. Wouhou! Un grand écran. Oh là là. Qu'est-ce que je veux dire? Je te dis bonne soirée. Si t'es là demain matin, jeudi matin, c'est cool. Je vais faire un test un peu pour le son. Parce que c'est pas la première fois qu'on me le dit, qu'il y a un problème avec le son et tout. Du coup, je le ferai demain. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, demain matin, ça va être 9h30. Je pense que je vais faire 9h30. Je crois que j'avais mis 9h, mais je crois que c'est mieux que je mette 9h30. Au niveau du temps, c'est plus pratique. Et après 14h, live peinture. Voilà. On va faire ça. Je trouve ça pas mal. Bon bah écoute, bonne soirée et puis peut-être jeudi matin ou en rediff ou quand tu veux, passe quand tu veux. C'était cool de te voir. Bon bah allez, ciao, bisous.